crois que c'est à Didier de passer. Je vérifie quand même parce que... Oui. Ça va s'évaporer. Didier, tu es installé à Paris? À Paris et Saint-Malo. En fait, d'accord. Je switch entre les deux belles villes. Voilà. D'accord, pas mal. Voilà. Donc, au Grand Air, en Grand Air, et puis à Paris pour tout l'aspect fonctionnel et opérationnel avec les clients. Voilà. Donc, okay. Moi, je suis designer et architecte d'intérieur. Designer depuis 10 ans et architecte d'intérieur vraiment spécifique dans l'hôtellerie depuis 4-5 années, depuis que j'ai rencontré le groupe Accor Hôtel. D'accord. Donc c'est une vraie spécialité aujourd'hui. Oui, il me demande beaucoup, beaucoup de boulot. Ouais. D'accord. Bon, ok. On va voir ça. C'est parti. Alors, en préparant donc cette intervention que j'ai souhaité orienter vers les matériaux et la couleur, je me suis aperçu qu'en fait, quand je débute mes projets, j'ai toujours envie de prendre le contre-pied de ce qu'on attend. En fait, si on me demande noir, je vais penser blanc, comme ça. Et là, c'est un compagnon maroquinier qui me demandait de travailler sur une mallette en cuir. Et je me suis dit, et si pour une fois, on faisait du cuir transparent? J'avais en tête ces abat-jour en parchemin qu'on voit chez nos grands-parents. Et en fait, on a trouvé le dernier fournisseur européen qui fait ça. Et on a donc développé un nid d'abeilles 100% cuir, c'est-à-dire qu'on utilise le parchemin d'agneau, qu'on monte sur une structure en cuir de taureau pour créer vraiment donc des panneaux rigides, légers et avec une transparence, une profondeur assez étonnante. Donc on a développé un premier prototype, puisqu'on est vraiment sur du prototype de bagagerie. Et ensuite, on l'a développé en panneaux. Réellement qu'on a utilisé donc sur du petit mobilier qu'on va voir tout de suite et tout de suite. Voilà. Donc vraiment là donc on a du parchemin d'agneau en partie haute et dessous en fait vraiment et donc une structure en cuir de taureau le tout surpiqué. Donc on a vraiment un produit qui est 100% cuir et qui a vraiment un aspect assez particulier, très étonnant et en même temps très rigide. Voilà. Un autre projet dont je suis assez fier, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le groupe Accor Hôtel en gagnant donc cette consultation pour repenser la chambre Formule 1. Et j'en suis assez fier parce que le cahier des charges était particulièrement costaud, voire antinomique, c'est-à-dire qu'il fallait faire quelque chose pour grand public, facile, que le client puisse vraiment prendre place dans la chambre. Et tout en étant pérenne et vraiment économique. Et pour le coup, la clientèle Formule 1 est parfois un petit peu sauvage. Et donc, au lieu d'imaginer vraiment quelque chose, comment dire, une usine à gaz, j'ai créé un module en carton. Voilà, un module en carton qui est un module de bienvenue. Il y a les serviettes de toilette, etc. dedans. Et en fait, une fois que c'est déballé, le client va pouvoir l'utiliser pour prendre position dans la chambre, des positions, voilà, pour lire, pour écrire, pour travailler, pour poser l'ordinateur, pour manger. Et ça me permet, voilà, de créer un espace très graphique, un agencement très graphique, avec un produit donc qui était économiquement très raisonnable, puisque c'était la publicité sur une des faces qui payait le module en carton. Un peu comme dans les brasseries, on a, vous savez, les sets de table avec les pubs pour les garages locaux. Ben là, on aurait fait de la pub pour les pizzerias ou les cinémas du coin. Voilà. Donc c'est un produit qui était économiquement viable et avec vraiment cet aspect très déco et très sympa et qui souhaitait la bienvenue dès qu'on entrait dans la chambre en fait. On va passer de l'hôtellerie, on va dire classique, à l'hôtellerie de plein air. Depuis 3-4 ans maintenant, je travaille dans le mobil home. Alors c'est un secteur particulièrement intéressant à travailler. C'est très ludique, hein, puisqu'on est vraiment sur le domaine des vacances, etc. Mais c'est aussi très ludique parce qu'il faut être particulièrement astucieux, puisqu'en fait, un mobil home, bah, c'est tout petit. Alors c'est 40 mètres carrés maximum. Alors pour des Parisiens, c'est peut-être grand, mais pour une famille de 6 avec les affaires de plage, etc., c'est vraiment des espaces tout petits à gérer. Et là, pour le coup, au lieu de faire du mobil home à la papa tout blanc, etc.,
Là, j'ai pris le parti de faire noir au plafond, au mur, et des matériaux très très graphiques qui ont beaucoup de caractère et qui vraiment donnent, je trouve, un air frais au mobilhome qui le dépoussière complètement. Et on a vraiment des espaces qui sont, je suis assez content parce que le résultat, les espaces sont très agréables à vivre. Il y a du caractère, c'est péchu et en plus de ça, c'est vraiment un succès commercial. Donc même au niveau du grand public, ce genre de parti pris passe bien et on peut se le permettre. Et je trouve qu'on a vraiment renouvelé le mobilhome qu'on connaît jusqu'à présent. Et sur le dernier projet, on revient à l'hôtellerie, on revient au... encore une dernière diapo, je l'avais oublié. Donc là, on voit la partie centrale, le salon, donc avec un totem lumineux qui permet de gérer les différentes ambiances et de regarder la télé depuis toutes les zones, depuis la cuisine, depuis le salon, depuis le séjour ou depuis l'extérieur. Le dernier projet qui me tient à cœur, c'est un projet donc avec le groupe Accor Hôtel. On vient de le finaliser. C'est un concept de chambre, comme il y a des concepts cars dans l'automobile. Là, c'est vraiment un concept de chambre en fait, qui prédéfinit un peu ce que va être la chambre PMR demain chez Accor. La chambre PMR, c'est la chambre pour les personnes à mobilité réduite. Là, l'idée, c'était au lieu de... qui fait peur en fait, aux gens. Les gens ne veulent pas le louer parce que c'est grand, c'est vide. Et donc là, l'idée, ça a été de remplir de matériaux très riches et en même temps de trouver tout plein de solutions pour que ce ne soit plus stigmatisant pour les personnes à mobilité réduite. Là, vraiment, c'est vraiment pour que tout le monde puisse trouver son bien-être. On a la vasque qui monte et qui baisse. Pareil pour le lit. Les mobiliers sont étudiés pour qu'on puisse se poser dessus si on est... qu'on soit valide ou qu'on soit en difficulté physique, vraiment c'est une chambre qui est vraiment adaptée à tous. Et c'est un concept qui aujourd'hui a vraiment été réussi. Et en fait, aujourd'hui, on le décline sur les différentes marques du groupe. En fait. Voilà. Et donc, les rideaux sont manipulables avec une application sur tablette, les lumières, tout est pilotable depuis une tablette si on veut. Sachant que les tablettes, pour les personnes malvoyantes, c'est compliqué. Donc, on a tout multiplié. Avec, vous le voyez, des interrupteurs colorés et des produits. Les chevets, par exemple, sont à hauteur pour pouvoir se lever quand on est en difficulté de déplacement, par exemple. Et beaucoup de jeux de lumière, donc une ambiance très très soutenue et un joli projet qui va vraiment se décliner sur les différentes marques du groupe. Voilà. Merci bien.